Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gaming. Bon, c'est plutôt rare que comme je vous ai dit dès que je faisais des vidéos gaming. Mais là on se retrouve sur Gran Turismo 6, ça fait pas mal de temps que j'y joue, que j'ai fait des compétitions de drift. Et donc j'ai pu acheter quelques petites voitures de compète. Comme je sais pas si vous avez dû remarquer que je suis un peu sur le circuit des 24 heures du Mans. Attendez, je vais me mettre un petit peu mieux comme ça, voilà. Je suis sur le circuit des 24 heures du Mans avec une voiture. Attention, on en parlera juste après. Je vous préviens que c'est une bagnole qui, en termes d'accélération, ne rigole pas du tout. Alors même, je vais entendre un petit peu la musique. Je l'ai mis comme ça, un petit peu en fond, comme ça, quoi. Alors, si vous voyez que le chrono est déjà en route, c'est parce que j'ai déjà fait un tour avec la bagnole. Voilà, si je passe à la ligne d'arrivée que je fais ça. C'est bon, deuxième tour. Voilà. Donc, je vous montre la bagnole. Déjà... vous dire déjà qu'elle a pas de klaxon, c'est un diesel, un TDI, et oui, donc c'est la R10 TDI de chez Audi, donc la version turbo diesel de 2006, donc des 24 heures du Mans. Terme d'accélération, on a 1099 Nm, je sais pas combien de tours, juste ça, mais nombre de tours, je m'en souviens plus, et on a 639, 656 chevaux, une connerie comme ça. Et une vitesse max d'à peu près 345, 350 km. Donc on va y aller. Moi par contre je vous préviens, je conduis tout le temps en FPS. Oui, ça patine, ça c'est clair. En ce moment j'ai démarré en deuxième. Alors je l'ai acheté hier. Et elle a déjà 451 km au compteur. On rentre dans Gran Turismo 6 pour avoir des kilomètres au compteur comme ça. On a intérêt à y aller. Et c'est normal parce que je l'ai acheté à peu près vers 1h de 10h seulement. Et j'ai joué jusqu'à midi, j'étais déjà à 200 km. Après, j'ai refait pas mal de kilomètres. Je regarde si on voit assez bien. Ouais, pour une fois, on a l'air de voir assez correctement. Je sais pas si je peux vous mettre un petit peu mieux. On dit je mens, voilà. Alors je vous précise, la voiture est conduite en manuel. Puisque j'ai programmé le jeu pour
façon, je vais me dire, j'ai toujours conduit en manuel et automatique, j'ai juste horreur de ça. Parce que dans un simulateur comme Gran Turismo 6, la manuelle c'est. Enfin, la manuelle c'est le top et l'automatique c'est juste de la merde en fait. Voilà. L'automatique en fait c'est la roulée des boîtes de vitesse. Oh putain. Alors là, je vous ai fait un petit tour des 24 heures du mois à peu près à ma façon de conduite, c'est-à-dire à une vitesse assez réglo. Je pouvais conduire un petit peu plus vite, mais c'est pour éviter de la foutre dans le mur. Parce que c'est quand même une bagnole que si je vous dis le prix, vous avez peut-être intérêt à vous accrocher. Précisément, je l'ai payé 2 400 000. Oui, ça fait cher pour une bagnole. Surtout pour une bagnole des 24 heures du Mans. Bon, c'est un peu normal. Hein. Quand on regarde déjà que le tableau de bord il est déjà en carbone, le volant il est limite en or. Bon, là, il faut savoir que c'est la classe aussi Audi Sport. Hein. Donc, voilà. Ouais, puis Audi, c'est du bon en termes des 24 heures du Mans. Voilà, c'est des très bons matos. Démarrage en deuxième. Ah oui, tiens, je stoppe 2 secondes le jeu. Après avoir refait le remontage du Suzuki, j'ai testé son démarrage. J'ai pas pu vous le faire en vidéo parce que malheureusement, bah, il était tard et puis il faisait soir, donc. Il faisait noir, donc vous auriez pas vu. J'ai démarré le lendemain en revenant des cours, mais je me suis dit, bah, comme je devais montrer à Farrell Boy 59, il a lui apprendre à démarrer un moteur parce que bah, bien sûr, il n'avait jamais tiré sur un lanceur de motoculture. Bon, c'est compréhensible pour des gens qui ne sont pas fans de ça. Moi perso, je vais vous dire, j'ai tiré énormément de fois sur un lanceur de motoculture. Après, il faut savoir que lui, il l'avait jamais fait, donc je l'ai appris. Il était tout content quand j'ai donné la corde de lanceur. Il a réussi à le démarrer, malheureusement qu'il n'y avait pas de mâme, il a réussi. Il a démarré sur starter. Bon, là, il a plus l'essence, donc je pourrais pas vous montrer. J'aurai peut-être de l'essence bientôt parce qu'en fait c'est mon père qui va me chercher l'essence parce que bah moi déjà je peux pas parce que j'ai pas de voiture. Hein, faut savoir que j'ai que 14 ans, hein, je n'ai pas de voiture. Voilà. Bon, on continue. Maintenant sinon ça va, il tourne très bien. J'entendais comme un claquement au niveau de la bielle, je pensais que du coup il allait claquer. Mais non, il tourne très très bien. Faudrait que je refasse une bricole pour que du coup bah maintenant il soit droit, mais bon c'est pas grave. On va continuer. Hein. Alors, j'espère que vous voyez bien, que ça fait pas trop une qualité dégueulasse parce que voilà quoi. Bon, je vais arrêter. Bon, j'espère que cette vidéo en R10 CDI 2006 vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.